Bienvenue dans la vidéo de montage de la robe essor. Pour éviter les mauvaises surprises, lavez et repassez votre tissu. Faites de même pour la doublure. Placez les pièces du patron sur votre tissu plié en deux, lisière contre lisière. Le haut devant et le haut dos sont au pli du tissu. Coupez les pièces au bord du papier. Les marges de couture sont déjà incluses sur le patron. On passe à la doublure. J'ai utilisé des chutes. Le haut devant et le haut dos sont toujours au pli. On coupe toujours au bord du papier. Avant d'enlever les épingles, pensez à bien repérer l'écran de montage par un petit coup de ciseau dans la marge de couture. Pour le haut devant qui comporte les plis, repérez bien toutes les lignes. Il y en a 13 au total. Repérez également l'emplacement des poches. Pour cela, j'utilise une épingle. Je pique dans l'angle. Et je marque au crayon les angles. Pour le thermocollant, on coupe la ceinture dos et la ceinture devant. On coupe également 8 carrés de 3 cm de côté que j'ai tracés au préalable. On applique le thermocollant au fer sans jamais le faire glisser. On soulève et on pose sur l'envers du tissu. On vient également positionner les carrés à chaque emplacement de future pression. Pour les plis religieuses, on commence par tracer sur l'envers du tissu les 13 lignes. On commence par travailler au fer le pli du bas. On marque au fer la deuxième ligne en partant du bas. On amène cette deuxième ligne contre la quatrième ligne en partant du bas. Sur l'endroit, on vient piquer à 1 cm du pli ainsi formé, ce qui correspond à coudre dans le sillon du premier pli. On écrase au fer
Et on poursuit. On prend la ligne suivante que l'on marque au fer. Puis on l'amène deux lignes au-dessus et on marque au fer. Sur l'endroit, on pique à 1 cm du pli ainsi formé et on écrase au fer. On poursuit de la même manière avec le pli suivant. On pique le troisième pli. Et enfin le dernier. Nous allons maintenant doubler les parties hautes. Posez endroit contre endroit votre devant et votre doublure devant. Nous allons piquer tout autour sur trois côtés. À l'approche des angles, réduisez votre longueur de point à 1,5 pour qu'il soit bien solide. Dégarnir les angles le plus près possible de la couture sans la couper. Crantez ensuite les arrondis. Puis retournez. J'utilise un retourne-colle pour aider à faire sortir les angles. Aplatir au fer en veillant à ce que la doublure ne dépasse pas. Même chose pour le dos. On assemble endroit contre endroit. En laissant le bas ouvert pour pouvoir retourner. On pique à 1 cm du bord. On prend son temps pour faire de beaux arrondis. Il faut ensuite cranter. Plus la courbe est serrée, plus les crans doivent être rapprochés. Réduire de moitié la valeur de couture à l'extrémité des bretelles. Retournez.
Pour les bretelles, je glisse mon petit doigt à l'intérieur pour m'aider à les retourner. On écrase au fer en veillant toujours à bien faire rouler la couture entre les doigts pour que la doublure ne dépasse pas. On passe aux poches. Posez endroit contre endroit la doublure et la poche. Piquez ensuite à 1 cm du bord. Ouvrir la couture au fer. Superposer ensuite endroit contre endroit la doublure et la poche. Assembler en laissant une ouverture en bas pour pouvoir retourner. Dégarnir les angles. Puis retourner. J'utilise à nouveau le retourne-colle pour les angles. On aplatit bien au fer, toujours en surveillant que la doublure ne dépasse pas. Pour la jupe, on pose les deux morceaux de jupe endroit contre endroit. On place un repère à 1 cm du bas de la patte. Ce sera la fin de la couture. On assemble à 1 cm du bord, du bas de la jupe jusqu'à notre repère. On ouvre les coutures au fer. Puis on les rabat sur ce qui sera désormais le devant de la jupe. Pour les besoins de la surjeteuse, je crante le bas de la patte en direction du point d'arrêt de ma couture. Je pourrai ainsi surjeter la grande longueur et sortir avant la patte, puis surjeter chaque patte séparément. Je surjette ensemble les valeurs de couture de la grande longueur. Puis séparément les pattes. On va maintenant plaquer les poches. Pour cela, je place les poches en utilisant les repères. Le bas de la poche est bien à plat. Le haut de la poche paraît plus large que les repères. C'est normal. C'est pour qu'elle baille un peu et qu'on puisse mettre plus de choses à l'intérieur.
coudre la poche, j'utilise mon pied de biche pour ourler invisible. Son guide me permet de me caler le long de la poche et de piquer très près du bord. Posons la ceinture. Assemblez la ceinture devant thermocollée à la jupe, endroit de la ceinture contre envers de la jupe. Les pattes sont repliées. La ceinture dépasse d'un centimètre de chaque côté. On assemble le bas de la ceinture, c'est-à-dire le côté qui n'a pas les repères de montage. On pique à 1 cm du bord. On fait de même pour le dos, mais cette fois-ci, les pattes sont dépliées. La ceinture dépasse toujours d'1 cm de chaque côté. Nous allons ensuite bâtir le haut devant sur la ceinture. Doublure contre endroit de la ceinture. On utilise les repères de montage pour bien positionner le devant. On assemble à grand point, longueur 3, à 0,5 du bord. On fait de même pour le dos. Nous allons plier la valeur de couture des ceintures restantes. Pour cela, je trace des pointillés à 2 cm du bas, sur l'envers. J'amène ensuite au fer le bord du tissu contre les pointillés.
Nous allons ensuite assembler les ceintures devant, endroit contre endroit. Le haut devant se retrouve en sandwich entre les deux morceaux de ceinture devant. Nous allons piquer les petits et le grand côté en veillant à bien remonter les valeurs de couture à l'extrémité. Dans les angles, je réduis la longueur de point à 1,5 pour les solidifier. On procède de la même manière pour le dos. On dégarnit ensuite les angles. Puis on retourne. Toujours à l'aide du retourne-colle pour les angles. On vient travailler la ceinture au fer pour bien mettre en place toutes les épaisseurs. Les valeurs de couture de la jupe doivent rentrer dans la ceinture. On épingle en alignant le pli à la couture précédente. J'utilise à nouveau le pied de biche pour ourlet invisible. Pour surpiquer la ceinture en place. Il faut ensuite faire quelques points en bas de la patte pour fixer les épaisseurs ensemble. On pose les pressions. Et c'est enfin l'ourlet final. Bravo, vous avez réussi.